Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de présentation de la ville de Silis. Aujourd'hui, cet épisode aura une structure un petit peu particulière puisque nous allons parler surtout du marché de Noël de Silis en rapport un petit peu avec la période à laquelle nous nous trouvons. Nous ferons aussi une petite parenthèse sur les transports en commun à Silis. Et donc, on commence tout de suite par le marché de Noël. Pour la première fois cette année, la mairie de Silis a mis à disposition de ses concitoyens plusieurs attractions et a organisé en fait un marché de Noël dans le centre-ville. Alors, l'ensemble de ces attractions, si je puis dire, se trouve ici même. On a le long du quai ici, quelques manèges, etc. Un petit peu plus loin sur la grande place de Silis, nous avons une patinoire et le fameux marché de Noël, dont on peut voir quelques stands ici en vue aérienne. Celui-ci se prolonge d'ailleurs ici aussi, nous irons y faire un tour un petit peu plus tard. Et enfin, comme autre attraction, nous avons sur la place de la mairie un nouveau manège à sensation forte d'ailleurs et qui permet d'avoir une vue assez impressionnante sur la ville de Silis que nous irons également voir tout de suite après. Commençons d'abord par les attractions sur ce quai, qui est d'ailleurs l'un des rares quais aménagés de la ville de Silis. Les autres sont toujours un peu sauvages, très arborés. Ici, on a véritablement un quai aménagé qui sert donc de lieu d'exposition ou de lieu de festivité en fait pour la ville de Silis. Alors, on va y faire un petit tour et pour y découvrir les quelques manèges. Nous avons donc une sorte de manège nommé Pirate Battleship. Voilà, que vous pouvez ici voir. Qui est issu d'un très beau mode justement fait il y a quelques temps sur CGXL qui rajoute donc des parcs, des attractions. Il y a également un bateau venu exprès. Alors vous allez sûrement vous demander comment est-ce qu'il est arrivé là. Eh bien il est arrivé là par camion puisqu'évidemment il ne peut pas passer ni sous ce pont là ni sous le pont un petit peu plus haut. Donc ils l'ont amené là par camion et c'est un bateau qui est là en fait toute l'année. Et qui est en fait l'une des attractions principales de la ville de Silis. Ensuite, on a un grand 8 un petit peu plus loin. Voilà. On a aussi quelques stands encore un petit peu plus loin où on distribue vin chaud, produits artisanaux, etc. Des petites maquettes de tramway également. Comme Silis est par excellence la ville du tramway. Maintenant, si on se déplace sur la place principale, très récemment achevée d'ailleurs, que je ne vous ai pas encore trop dévoilé. On a un petit peu de monde évidemment, on a des stands un petit peu partout. Ici, de l'autre côté c'est tout pareil, et sur la place centrale évidemment. Voilà, comme vous pouvez voir, on a des stands un petit peu partout. Et enfin, justement sur cette place centrale, on a aussi une patinoire. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Bordée de stands, toujours. Voilà. J'ai essayé de faire une patinoire avec les outils du jeu. Sachez que c'est pas super évident. Et enfin, la dernière attraction qui se trouve sur la place de la mairie, donc un peu plus loin, c'est cette grande tour qui permet d'avoir une vue panoramique lorsqu'on est à son sommet sur la ville de Silis. Et je n'avais pas remarqué, mais ce mode est vraiment très bien fait puisque il est tout animé. Je pensais pas qu'il serait comme ça. Vous pouvez le voir. Ah oui, il y a quand même quelques petits bugs encore. Les gens sont un petit peu dans les. Bon, bref. Alors, on va essayer d'aller faire un tour au sommet de cette tour. Si c'est possible, oui, bien sûr. Et nous y voici! Et voilà la vue que nous avons sur la ville de Silis avec ici même l'obélisque. Tout au fond là-bas, le quartier de Technopôle que je vous présenterai très prochainement, qui est encore en construction. Ici même les quartiers récemment achevés que vous avez pu voir dans l'épisode précédent. On passe sur l'université. Voilà, hop, le quartier des élites.
tout au fond là-bas on aperçoit le quartier Stanislas et ici même la gare de Silice. Tout au loin là-bas on aperçoit les cascades de Saint-Laure. Et voilà, on va avoir fini notre petit tour. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler un petit peu des transports en commun à Silice. Alors je ferai une vidéo plus détaillée plus tard, mais juste évoquer les quelques premières lignes de tramway et les lignes de monorail. Alors on va commencer par le plan. Actuellement, Silice possède 3 lignes de tramway. Alors la ligne T1 en jaune, la ligne T2 en vert ici, et la ligne T3 en bleu. Il y a également 2 lignes de monorail, ici MN1 ici et MN2 ici en rouge. Dans le jeu, ça nous donne, donc on va commencer par les lignes de monorail, on en a une, donc la 2 qui passe ici comme ça, hop, qui descend ensuite le long du canal et revient vers le centre-ville. La deuxième passe comme ça, longe l'université, passe dans un parc et vient faire son terminus devant le siège de Polaro TV. Ensuite, au niveau du tramway, on a un terminus ici même, avec un parking relais d'ailleurs, que j'ai déjà évoqué, me semble-t-il. Ensuite, le tramway passe par cette grande avenue, passe devant la gare, la longe ici, hop, passe par le centre-ville devant la mairie, passe ensuite par l'université ici même, par ce quartier d'élite, et fait également son terminus au siège de Polaro TV, donc ça c'était le T1. Le T2... il part du siège d'ONP, traverse la ville complètement ici, vient rejoindre la gare, la longe comme ça, ici le centre-ville devant la mairie, l'université, et fait également son terminus au siège de Polaro TV. Enfin, la ligne T3, quant à elle, elle part un petit peu plus loin. Ici, donc à Sainte-Laure, hop, il y aura dans le futur une gare, une petite gare secondaire à cet endroit-là, donc fait comme ceci, hop, passe par le centre-ville, traverse ici la future zone industrielle, longe ici par un quartier qui est en développement, vient en centre-ville près de la gare, prend exactement le même chemin dans le centre-ville ici, elle bifurque en revanche là, longe l'université, longe ensuite le canal pour remonter jusqu'ici, jusqu'à la deuxième gare de Silice, qui est en fait la gare de Gelvic. La particularité de cette ligne-là, c'est qu'il y a évidemment une grande partie en tramway aérien, donc sur cette partie-là, le long du canal, ici, à partir de la place de la Liberté en gros, et jusqu'à la gare de Gelvic, ici même. Et enfin, je vais évoquer très brièvement le début de la quatrième ligne qui fera son terminus grosso modo aussi à la gare de Gelvic. Passe, prend ici, bifurque à cet endroit-là, comme on peut le voir, passe ensuite sous l'aqueduc, dessert complètement le technopôle en ayant une correspondance ici avec le monorail. Ici même, ici, voilà, ensuite on traverse le fleuve et on passe dans le centre-ville de Silice. Alors pour le moment la ligne se termine ici et il faut que je trouve un moyen de la faire traverser complètement en passant soit ici derrière la gare, soit je pense plutôt devant, afin de rejoindre ce lieu là, c'est à dire le siège doré, enfin les ateliers de Serenia Rail, afin qu'ils soient aussi desservis par le tramway. Donc grosso modo la ligne devrait passer dans le parc de manière à gêner le moins possible la circulation. Ici il risque d'avoir un passage un petit peu difficile à faire et à aménager, bien que je pense que je vais pouvoir rogner sur cette partie là et puis après voilà. Ça aboutira certainement aussi dans ce coin là à la destruction de toute cette île là et à un réaménagement complet, puisque en fait la ligne pourrait passer comme ceci sur ces voies piétonnes là et ensuite traverser et venir juste ici de l'autre côté de la gare.
Voilà, c'est une présentation assez succincte des réseaux de transport en commun et j'essaierai de vous en faire une plus détaillée prochainement. C'est sur cette image du kit de Silis où il y a les différentes attractions que nous allons quitter et donc que se termine cet épisode. On se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode qui parlera de l'histoire de la ville de Silis. Donc préparez-vous à en savoir plus sur les origines de la ville de Silis. Merci d'avoir regardé et à bientôt.